Je m'appelle Leïla Chebbi. Ma mère s'appelle Bernadette Gaillard. Mon père s'appelle Mouldi Chebbi. Et si ma mère avait été mon père et si mon père avait été ma mère, ben, je m'appellerais Leïla Gaillard. Et en vrai, ça n'aurait pas changé grand-chose à qui je suis. J'ai la double nationalité, la nationalité tunisienne, parce que mon père est né tunisien. Mais je suis française, ici au Parlement européen. Hein. Vous savez, quand j'ouvre la bouche et que je prononce quelques mots en anglais, ça ne fait pas de doute, hein, direct. C'est flagrant, je suis française. Et je sens bien depuis quelques années hein, qu'on me fait bien comprendre que je m'appelle Leïla Chebbi et je ne m'appelle pas Leïla Gaillard. Le racisme, il a fait du chemin dans la tête des gens. L'extrême droite, elle a avancé comme ça. Petit à petit dans les têtes. Et il y a le risque, dimanche, qu'elle continue d'avancer pour arriver à la tête de l'État, pour prendre le gouvernement. Il faut empêcher ça. Il faut aller voter dimanche pour empêcher l'élection des députés d'extrême droite, pour empêcher Jordan Bardella d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, pour empêcher que l'extrême droite continue de ramper et prenne le pouvoir. C'est vital, c'est capital. Voter pour les candidats du Front populaire dimanche, empêcher l'extrême droite d'avoir une majorité absolue, et puis ensuite on fera le reste du travail. Ensuite on va faire le reste du travail de désextrême droitiser les têtes, les pensées, de contrer ces politiques qui nous ont menés là. Mais d'abord, la priorité, dimanche, c'est d'aller voter. Je compte sur vous.